Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel sur le M&M Gold. Nous allons donc commencer par faire une sous-couche noire. Une sous-couche noire qui se fait à l'aéropolyuréthane afin d'obtenir quelque chose d'assez brillant qui va nous permettre au passage, si vous le désirez, prendre quelques photos à ce moment-là, d'avoir un canevas, un plan, afin de voir où va briller la lumière. Voilà donc la liste des peintures que je vais utiliser. Si vous n'avez pas ça dans votre collection, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait remplacer une peinture par une autre. Je vais commencer par mettre toutes mes peintures sur la palette, en commençant par un équivalent du Dumbo Brown. Quelque chose de rouge, une base assez sombre, et assez saturé en rouge. Par dessus, je vais continuer à mettre de l'uniforme anglais qui est assez vert, un jaune vert très intéressant. Je continue par de l'uniforme japonais qui est jaune vert désaturé. Là, j'ai besoin de beaucoup de jaune, de la saturation, un jaune plat. J'ajoute aussi le blanc qui va être très bien, et du Dorn, bien sûr, puisque là on est en train de peindre Rogel Dorn. Ce jaune totalement plat et désaturé. Et là dans un coin, j'utilise un petit mélange personnel car il fait très chaud, un mélange de retardateur et de thinner que je vais mélanger à toutes mes gouttes de peinture, une par une, en évitant de les mélanger bien sûr, afin de rendre la dilution plus crémeuse et surtout de les faire tenir dans le temps. Ce petit rituel en début de peinture me permet d'homogénéiser mes couleurs parce qu'elles viennent de différentes marques et ne font pas avoir forcément la même texture. Les peintures Valero sont plus crémeuses, plus faciles, alors que mon blanc qui vient de chez Lefranc et Bourgeois est beaucoup plus épais, ainsi que le Rogel Dorn de chez Games Workshop peut être effectivement un petit peu crayeux et a besoin de plus de dilution. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs façons de faire, et la première, c'est par superposition. Commençons par repérer nos zones de lumière. Alors, je vais commencer par la jambe, et là, on voit bien par cette brillance de ma lampe qu'il y a une zone de lumière à cet endroit-là. Donc je vais entamer ma première couche de Dumbo Brown ici, de façon assez large, sur ma zone que j'ai repérée. Vous pouvez effectivement prendre une photo noir et blanc de votre figurine sous votre lampe pour repérer où se situent les différentes zones et ainsi avoir un plan bien précis, comme je l'ai dit dans l'introduction, afin de bien situer où vont tomber vos brillances. Voilà, donc le Dumbo est quand même une peinture assez épaisse, malgré le fait que je l'ai bien diluée, elle va quand même bien couvrir, mais je ne poserai pas une seule et unique couche, comme vous voyez, le but étant d'avoir une couche impeccable et uniforme de Dumbo. Si votre base n'est pas propre, vous allez avoir des taches, des marques que vous allez traîner pendant tout le long de votre peinture. C'est pas le but. Le but étant d'avoir quelque chose de précis, de propre, de définitivement maîtrisé. Donc n'hésitez pas à passer 1, 2, 3, 4 couches s'il faut, tant que votre couche de base n'est pas impeccable. Et maintenant, je crée une zone d'uniforme anglais. C'est bien une zone que je fais. C'est pas une tentative maladroite de fondre ces deux couleurs, mais bien d'appliquer une zone bien opaque d'uniforme anglais sur mon Dumbo. Voilà, comme tout à l'heure, je vais passer plusieurs couches, croiser mes couches afin que ça soit le plus opaque possible, le plus couvrant possible, et vous voyez, je vais laisser, même dans les endroits les plus petits, les recoins les plus petits, une petite zone de Dumbo. Voilà, mes zones sont bien définies. Je vais passer à la fusion de ces zones.
je mixe 50-50 de Doomboule d'uniforme anglais et je passe sur la ligne qu'il y a entre les deux zones. C'est à ce moment-là que je fonds ces deux zones avec un mélange de 50-50 Doomboule uniforme. Là maintenant, je vais rajouter un petit peu de Doomboule tout seul afin de fondre entre le mélange Doomboule uniforme anglais et Doomboule. La partie un petit peu plus délicate, un petit peu plus marquée. Voilà, c'est fondu. Ça va assez vite si vous avez une dilution assez propre. Donc là, je vais repasser une petite couche d'uniforme anglais. Là, il y avait quelques traces. Remarquez que c'est bien la propreté de mes couches qui m'intéresse systématiquement. On peut pas avoir de défaut sur un M&M, surtout sur un Primark. Place à l'uniforme japonais. Le saut entre l'uniforme japonais et l'uniforme anglais ne paraît pas très grand sur la palette. Mais lorsque vous le placez sur la figurine, remarquez que c'est quand même un saut, une différence entre les deux couleurs qui est assez importante. Donc ma zone est plus petite que ce que j'aurais dû faire à la base, mais je me laisse la possibilité de revenir fondre avec un mélange d'uniforme japonais et d'uniforme anglais un peu plus grand que prévu. Voilà, quelques couches supplémentaires, voyez que la zone se rétrécit de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut bien prévoir à la base de grandes zones de Doomboule pour se laisser la place pour pouvoir placer les autres couleurs dessus. Il ne faut pas non plus que ça soit trop petit. Voilà donc maintenant mélange d'uniforme japonais et d'uniforme anglais. Petite zone qui va se placer de part et d'autre de la zone d'uniforme japonais afin de fondre avec notre couche précédente d'uniforme anglais. Toujours croiser les couches afin d'éviter les coups de pinceau, les marques disgracieuses qui vont se placer si vous ne faites que de la verticale. Cette couleur peu couvrante et très claire me permet par transparence de jouer avec la dilution afin de pouvoir fondre les couches entre elles et d'enlever toute marque. Cette fois-ci, je mélange directement mon uniforme japonais avec du jaune afin de ne pas avoir un saut énorme. Effectivement, le jaune plat, le flat yellow, est vraiment très différent de l'uniforme japonais. Ce qui m'oblige à passer un mélange de 50-50, un pour un, de flat yellow et d'uniforme japonais. Voyez tout de suite la marque, la zone que je suis en train de créer
n'est pas énorme, le saut n'est pas énorme par rapport à l'uniforme japonais, ce qui me permet d'éviter de marques trop brusques. À ce stade-là, c'est très important. Plus on va monter dans les clairs, et plus ça va être difficile d'éviter les marques. La structure de la jambe, qui est plaque par plaque, comme vous voyez, doit être soulignée en haut, en bas, par le mélange, afin de simuler les lumières qui filent le long des plaques. Voilà, je suis passé au jaune plat, flat yellow. Remarquez la différence tout de suite, même avec le mélange que j'ai fait avant, c'est vraiment très puissant. C'est fait pour, hein. On a besoin à ce stade-là de reprendre beaucoup de jaune, un jaune très brillant, un jaune très accrocheur à l'œil. On n'a pas envie d'avoir une armure de Dorn, un jaune doré, un or jaune qui passe inaperçu. Donc on a besoin de quelque chose de vraiment puissant. Et le jaune plat, qui est pas un jaune très blanc, mais vraiment un jaune jaune pur, quoi. On est presque dans le jaune de base, va nous permettre de rehausser notre or et d'avoir quelque chose qui est finalement qui inspirera facilement l'Imperial Fist, qui rappellera le jaune de l'Imperial Fist dans le doré de notre Rogal Dorn. Toujours bien fondre nos couches, nos zones entre elles, afin d'obtenir le doré le plus propre possible. Allez, montons encore notre lumière en ajoutant à notre jaune plat le Rogal Dorn. Ça tombe bien, c'est la couleur de la figurine. Donc nous allons vraiment monter vers des blancs pour faire de la brillance. Rogal Dorn directement sur le jaune aurait trop marqué. Comme je le dis depuis le début de cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment fondre avec cette technique, vraiment fondre par superposition mes zones afin d'obtenir quelque chose de vraiment hyper propre. Voilà, on voit déjà les lignes de fuite de lumière qui vont aller tout le long de ces plaques, voilà, comme je souligne là, voilà, qui va nous permettre de bien redécouper chaque plaque une par une. Le blanc, oui, car on veut un maximum de brillance. Donc c'est à ce moment-là que l'on va passer notre blanc, une fine ligne pour rehausser notre dorne et aller jusqu'à l'éclat maximal. Si je répète cette opération plusieurs fois le long de la jambe, voilà ce que ça donne. Deuxième technique, par juxtaposition. Donc vous voyez la zone claire là par brillance et la petite zone en dessous, ben c'est ce qu'on va mettre en avant. Contrairement à la technique qu'on a vue avant, on va commencer par les zones les plus brillantes, donc les plus claires. On va commencer par notre Rogal Dorn dilué pour venir créer tout de suite une zone très très claire sur le dessus du bras et une peu plus petite zone ici en bas le long de la décoration. Il faut bien sûr passer plusieurs couches, pas épaisses, opaque,
C'est vraiment différent, il faut pas empâter la figurine, il faut pas faire du sorti de peau, il vaut mieux passer, comme vous voyez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 couches s'il faut, mais quelque chose de propre et de fin. On cherche à venir définir proprement cette zone de lumière. La deuxième, la plus petite aussi, il ne faut pas l'oublier. Deuxième zone que l'on va créer avec l'uniforme japonais. Remarquez que je saute le jaune dans mon dégradé. Je vais revenir avec le jaune après. Une zone qui va juxtaposer notre zone de Rogel Dorn. C'est-à-dire que je vais créer sur le noir une zone qui va venir toucher ma zone de Rogel Dorn. Juste à côté, bien sûr des deux côtés, hein. N'oubliez pas d'encadrer votre zone la plus claire. Place à l'uniforme anglais, là aussi une zone qui va longer la zone d'uniforme japonais. Après avoir posé l'une à côté de l'autre nos couleurs, je reviens avec mon jaune fondre ma zone d'Horn et ma zone uniforme japonais. Regardez, c'est assez rapide. Je fais pareil entre mon jaune et mon d'Horn, parce qu'il y avait une petite marque, et vous savez que j'aime pas ça. Voilà, délicatement. Et je viens, avec mon Doom Bull, faire pareil, smousser ma zone noire et ma zone uniforme anglais. Attention au moment où vous allez smousser, où vous allez justement chevaucher la ligne entre les zones, à ne pas couvrir les zones que vous avez créées précédemment. Ça ne servira à rien du tout d'avoir créé des zones pour les repasser. Non, il suffit tout simplement d'essayer d'effacer ces traits qui délimitent les zones que vous avez fait avant. Et on va finaliser le processus par une petite touche de blanc. Voilà, le canon de bras est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Voilà, j'ai un peu avancé. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez important. Pour pouvoir accéder à toutes les zones, j'utilise de la pâte à fixe. Je ne colle pas ma figurine en entier. Autrement, je m'en sortirai jamais. Nous allons entamer une zone délicate, l'épaulette. Heureusement pour nous, il a deux fois la même épaulette. Nous allons garder la même palette, hein, la palette que nous avions avant, la même couleur. Et je vais commencer par passer mon Doom Bull. Nous allons faire la technique de la superposition. Ce que je veux vous montrer sur cette partie, c'est la possibilité de concentrer la lumière. Je vais utiliser la même palette que pour la jambe. Et pour l'ensemble de la figurine jusqu'à présent, je vais concentrer la lumière à une des extrémités. Ce qui va me permettre d'avoir des zones plus foncées, tout en étant des zones très brillantes.
Remarquez que les zones que je suis en train de travailler sont à peu près du 1 cinquième de toute la surface de chaque petite ailette, chaque petite plume plutôt, de la surface que je suis en train de traiter. Regardez, j'en suis à l'uniforme japonais et j'en suis déjà à faire quelques points. La surface n'est pas très grande, hein. Là, je travaille déjà sur 1 mm au bas mot. Là, je fais déjà mes points de fuite de lumière sur mes angles. Donc, ma lumière va quand même aller le long de l'arête de chaque plume afin de définir les pourtours de la plume. Mais l'ensemble, la majeure partie de la plume va rester extrêmement foncée, va rester quasiment noire. Remarquez l'utilisation du pinceau. Là, je suis en train de tapoter, de faire des petits points qui vont se superposer. Et je n'essaye pas de tirer la peinture. J'ai pas la place. Je suis vraiment sur des micro-zones. Remarquez l'intensité de la lumière déjà sur ce petit coin, sur cet angle. Et voilà que je redéfinis encore une fois les longueurs de mon aile. Je ferai tout le pourtour de cette plume afin de pouvoir, de ces plumes plutôt, afin de pouvoir réellement les définir, qu'elles ressortent bien une par une. Mais l'ensemble de cette lumière va se loger juste dans cet angle, dans ce coin, dans cette petite partie. Remarquez toujours qu'il y a énormément de noir. Je vais chercher quelques points de lumière à l'opposé de cette zone, sur les bords de chaque plume, afin de la définir. Regardez, l'équilibre se fait, et pourtant il y a toujours beaucoup de noir. Les quatre bords de chaque plume vont être soulignés en clair.
Et enfin le blanc qui va vraiment faire briller l'ensemble. Et voilà, cette partie est finie. J'ai fini l'épaulette à l'or jaune. Voilà toutes les brillances. Et vous remarquerez que pour que le noir ressorte bien, il faut que je le borde avec beaucoup de brillance. Pour éviter que toute la figurine soit jaune, monotone, j'ai gardé quelques places pour faire de l'or, mais de l'or orange et de l'or blanc. L'or orange. Pour ceci, je vais ajouter à ma palette l'orange de Mars de chez Scalcolor. Par souci de cohérence, beaucoup de couleurs vont être reprises entre l'or jaune et l'or orange afin que ça soit cohérent graphiquement. Et donc une base de Doomboul va être posée sur cette petite partie. Sur le haut de cette partie, je vais mettre l'orange de Mars. L'orange est mis quand même dans une proportion assez importante, les deux tiers, et se fond très bien avec le Doomboul qui le complète aisément. J'insiste un peu car dans cette petite partie, il y a quand même pas mal d'arabesques sculptées. Pour une toute petite partie, elle est quand même pas mal chargée. Je vais créer un orange un peu plus clair en y rajoutant notre flat yellow, afin de pouvoir faire un raccord avec les autres parties de l'armure. L'orange de Mars aura donc remplacé l'uniforme anglais et l'uniforme japonais. Je peins distinctement le fond de cette petite partie et l'arabesque qui vient se placer dessus. Je ne voudrais pas confondre l'arabesque et le fond.
je continue à monter mes lumières comme je l'aurais fait avec l'or jaune. Je place quelques points blancs le long de l'arabesque afin de bien la faire ressortir. Un peu plus d'orange avec un glaze de Bloodletter qui sera suivi d'un petit glaze de Lamenter. Quelques dernières retouches car les glazes ont éteint quelque peu mes points de blanc. Et voilà le travail. Et nous voilà avec une nouvelle palette, une palette avec du bleu arctique. Pour que cela reste cohérent, on va utiliser tout d'abord du Doomwood Brown. Et je passe une base solide. J'ajoute mon gris bleuté à mon Doomwood, ça va vous donner quelque chose de très froid, très désaturé, un petit peu violet, complémentaire au jaune, c'est très bien. Je centre cette zone plus claire par rapport à la zone plus claire jaune qui est juste en dessous. Voilà, maintenant je passe au bleu arctique qui est l'équivalent de notre uniforme japonais. J'éclaircis maintenant mon Arctic Blue avec du Dorn, en le mélangeant bien sûr, afin de donner plus de chaleur et plus de lumière à mon or blanc. J'essaie toujours d'aligner mes lumières avec le reste de mon épaulette. Le seau est un peu grand, donc là je vais un petit peu smousser mes bordures avec de l'arctique. Pareil avec le Doomwood afin que mon dégradé soit vraiment homogène.
Voilà, j'ai soigné toutes mes transitions. Je continue à éclaircir avec un peu plus de dorme, plus de lumière, plus de brillance. Et voilà mon traditionnel petit point de blanc. Là aussi, on cherche à smousser le petit point de blanc, on va le fondre avec le dorne qu'il y a juste en dessous. On ajoute nos bordures, nos petites lignes de blanc, montrant que la lumière file le long de la gravure. Allez, il faut vraiment que ça brille. On rajoute encore plus de blanc. On n'est pas à l'abri d'avoir légèrement débordé. Donc là, je reviens un petit peu avec du Toonbull, recadrer l'ensemble de ma gravure, l'ensemble de ma peinture. Voilà, cette petite ligne qui va bien séparer le jaune du blanc. Donc pour faire plus court, j'ai fini toutes les paulettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve bien, moi. Bon, allez, je vous montre le résultat final. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.